Chapitre 28. Soudain, des cris retentirent. Par ici, encerclez le jardin. Ne le laissez pas s'échapper. Mon père et ses hommes arrivaient déjà. Le loup-garou dressait les oreilles. Son regard étincelant se tourna à droite, à gauche. Il avait senti le danger. Si je pouvais l'aider, c'était maintenant ou jamais. Dans quelques instants, la police nous encerclèrent. Nous encerclerait. Tous les hommes étaient armés. Et ils tiraient. Tirerait. Mon père le premier. Alors une idée me traversa l'esprit. Si le loup-garou redevenait Ben Grantley, il était sauvé. Personne n'abattrait un petit homme chauve. Tu peux vaincre un loup-garou si tu connais le nom qu'il portait avant sa métamorphose. Crie-le-lui très fort et il redeviendra humain. N'était-ce pas ce qu'avait dit mon père ? Je plongeais mon regard dans celui du loup-garou. Ben, hurlai-je, Ben Grantley ! Malheureusement, mes mots se transformèrent en grognements incompréhensibles. J'entendis les policiers se rapprocher. « Travaillez deux par deux, ordonnait mon père. Fouillez chaque coin. Soyez très vigilants. » Le cerveau en ébullition, je me mis à tourner autour de Ben. Les sirènes rugirent au loin. Malgré ma confusion, je parvins à me rappeler l'autre manière de provoquer la métamorphose. « Trappe trois fois sur sa tête de toutes tes forces. »« Venez, s'écria un policier, je crois l'avoir opéré. » Il fallait que j'agisse vite. Prenant mon élan, je bondis sur Ben et lui asséné un coup violent sur le crâne. Une fois, deux fois, trois fois. Fréquignant une contre-attaque, je m'écartai tout aussi vivement. Le loup-garou hurla, ses yeux lancèrent des éclairs, mais rien d'autre ne se produisit. Alors tout ce que mon père m'avait dit à propos de la transformation était faux. Par ici, shérif, appela une voix. C'était dans le jardin de cette maison. Des pas lourds firent vibrer le sol. Baissant les yeux, j'aperçus alors mon talisman par terre. Je l'avais perdu, mais c'était un signe, car à présent, je savais comment sauver Ben. Je ramassai prestement le pendentif et le lui glissai autour du cou. À ce moment-là, un policier fit irruption dans le jardin. Je bondis derrière un fourré. Des dizaines et des dizaines de policiers armés arrivèrent, encerclant Ben. Haletant le poil hérissé, il laissa échapper un hurlement. L'un des hommes se détacha du groupe. Il s'approcha en braquant son fusil. Paniqué, je me tapis dans l'ombre. L'homme visa et je perçus le cliquetis de la détente sous son doigt. Puis une horrible explosion retentit.